السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيها الحضور الكريم. إذا في هذه الحصة سوف نقدم لكم درسا جديدا بخصوص جرامير فاصيل، فريمون فاصيل. لو برونون بيرسونيل سوف نتحدث حول هذا الضمير وكيف استعماله في حالة تواصلية. إذا اللغة لها قواعد ويجب علينا احترام هذه القواعد لكي نتواصل بشكل جيد ومتميز مع الآخر. التواصل لا يقتصر فقط على التعبير أو حفظ التعبير، بل فهم اللغة، فهم قواعد اللغة، فهم قواعد اللعبة كما نقول. Le pronom personnel on ne précise pas combien. Par exemple, il y a du papier, tu as des crayons, oui, il y en a. Ça veut dire soit deux, une quantité par exemple peu ou beaucoup. Tu as des crayons? Oui, j'en ai. On ne précise pas combien. On précise la quantité. Par exemple, il y a une terrasse? Oui, il y en a une. Vous avez des enfants? Oui, j'en ai trois. D'accord? La différence entre la première et la deuxième, c'est ça. Mais c'est où là, on ne précise pas combien. Mais c'est où là, on précise la quantité. Il y en a un pour le masculin. Il y en a une pour le féminin, etc. Et forme négative. Tu as une voiture? Non. Je n'en ai pas. Il y a des draps? Non, il n'y en a pas. Tu as une voiture? Non, je n'en ai pas. Il y a des draps? Non, il n'y en a pas. Je ne sais pas de la question, mais la tasse, ressource qui fait des malons, et compte. إذا كنا نود تحديد الكمية نستعمل un أو deux أو trois أو beaucoup أو peu. هذه الكلمات ضرورية. Il y en a une terrasse, oui, il y en a une. كمثال. Vous avez des enfants, oui, j'en ai trois, ou j'en ai deux, j'en ai beaucoup. Il y a du papier, non? Oui, il y en a. Mais je ne précise pas combien. Tu as des crayons? Oui, j'en ai. Oui, j'en ai. Forme négative. Tu as une voiture? Non, je n'en ai pas. Je n'ai pas de voiture. Je n'en ai pas. Il y a des draps? Non, il n'y a pas de draps. Il n'y en a pas. Attaque amicale.